Allô, toujours Cathy. Je voulais montrer auparavant un petit peu les onglets navigation sur Internet Explorer. Et bien là, je vais faire la même chose avec Mozilla Firefox que je vais de suite lancer ici avec le bouton gauche de ma souris. Ainsi, le navigateur Mozilla Firefox se lance devant moi, comme vous pouvez le voir. Et je vous avais déjà montré un petit peu la barre des menus, la barre de personnel. Et là, aujourd'hui, je vous montre un peu ce que c'est que les onglets de navigation. Comme vous pouvez le constater, Mozilla Firefox, lorsque je lance, est sur un premier onglet de navigation qui s'appelle Facebook. Ça, pas de problème. Mais je souhaite le garder, pourquoi pas. Et j'aimerais en même temps pouvoir naviguer et aller sur Google, par exemple. Il me suffit donc d'ouvrir un nouvel onglet. Ouvrir un nouvel onglet ici, avec le plus, je clique avec le bouton gauche. Et j'indique ici que j'aimerais aller par exemple sur YouTube, pourquoi pas, je l'ai déjà ici, je clique dessus, et ainsi YouTube arrive sur le deuxième onglet. Pourquoi pas, ce qui me permettrait d'écouter de la musique tout en travaillant si je le souhaite. Je souhaite ouvrir un autre nouvel onglet, je clique donc sur le plus, tout comme dans Internet Explorer, ça me permet de naviguer d'une page web à l'autre, et ici, dans la barre d'adresse, je vais demander google.fr puisque j'ai besoin d'aller faire de la recherche, entrée, et sur ce nouvel onglet, troisième onglet, j'ai bien ma page web qui concerne le moteur de recherche de Google car j'en ai besoin pour aller faire des recherches. Et puis je souhaiterais aller chercher le site de la RATP, pourquoi pas, je fais donc ouvrir nouvel onglet. Je vais chercher ici dans la barre d'adresse, je tape ratp.fr, je fais la touche Entrée et je vais avoir ma page web de la RATP Accueil qui s'ouvre sur mon quatrième onglet, etc. Je souhaite aller voir un petit peu mes nouveaux messages sur ma boîte mail. Je clique donc sur le plus, nouvel onglet et je vais demander ici Yahoo, puisque je suis hébergé par yahoo.fr. Et je fais la touche Entrée afin d'accéder à ma page web Yahoo France pour pouvoir voir mes mails que j'ai reçus aujourd'hui, etc., etc. Ainsi, vous avez donc premier onglet ici, la page web de Facebook sur lequel je peux aller, YouTube ici sur le deuxième onglet, Google pour aller faire ma recherche, RATP pour aller voir un petit peu mon trajet et Yahoo France pour voir mes mails. Mail que j'ai reçu, etc. Lorsque je n'ai plus besoin d'un onglet, par exemple ici Facebook, je clique sur l'onglet Facebook et je clique ici sur la croix pour fermer l'onglet actif. Je n'ai plus besoin de la RATP car j'ai vu le trajet que j'avais besoin. Je clique donc sur la flèche pour fermer cet onglet-là. Il me reste donc trois onglets, YouTube, Google, Yahoo France. Je peux toujours aller chercher autre chose ici, par exemple, nouvel onglet. Je souhaite aller chercher le site de TF1 pour voir ce qu'il y a à la télé ce soir, par exemple TF1.fr. Et j'ai donc le nouvel onglet qui s'affiche de TF1 afin de pouvoir voir le programme de ce soir, par exemple. Je peux donc fermer l'onglet YouTube ici puisque je n'en ai plus besoin, etc. Je ferme les onglets lorsque je n'en ai plus besoin et je n'ai plus qu'à quitter Internet lorsque j'ai plus besoin d'aller surfer sur les pages web que je souhaite. Voilà pour les onglets de navigation sur Mozilla Firefox. À bientôt!